Info 243, la référence de l'actualité. Mesdames et messieurs, Toko Miawa, 20h, le 2 novembre, Awa en direct, il y a Palais de la Nation et Koko Babouromba, consultation à président de la République. Toko Mekako Sembola, Namwanamboka, Félix Kabala, Azali Bongo, Moko, il y a ba collaborateur direct, il y a président de la République. Mwanamboka, Félix Kabala, Mbote. Mbote Ndeko Raphaël. Ozali Bongo, collaborateur direct, il y a président de la République. Ben, impression, là, d'abord, il y a Liboso et Zali Boni. Namakambo, il y a consultation. Toko mi 20h. Et Bandaki Bongo, on a 10h jusqu'à maintenant. 10h du temps, le président de la République continue à consulter ma personnalité. Et belé, politique, tout le monde va réélugier, tout le monde va tout endenge endenge. Jusqu'à là, impression, Ezali Boni. Il y a Mbona Koloba, Bato Bako Lekana. Kasi ekolo ekotika là. Dans le poteau à français, les hommes passeront, les institutions resteront. Papa Mokonzi a pesaki ndingisa na discours à Salaki le 23 octobre à l'obiété na ndenge mbokeza ko tambola na komi komona ke mwa kokoso ezali moke et sengeli ete kokoso wana po ete koma monenete. Boti kato komisa yango to ndimbola yango na ndenge ya bwanya na lingina solo la bongo na baye oyo bazali bongo bayike o ba representaka peuple na biso à travers ba groupement politique na batu ya société civile mokolo ya lelo ya yambo ya le 2 novembre papa Mokonzi aza bongo koyamba bato ya différents formes ya société civile elingi kolobate papa Mokonzi azo sala yango par rapport ya mibeko ya mboka oto bengi constitution par rapport ya article 69 parce que article wana eza kopesa kaka yemoko ndingisa ya kozala oyo aza kobate la constitution oyo azali bongo aza kobate la ndenge nini ba institution ya mboka eza kotambola et ezo sala ke ye azala pe arbitre na makambo nyonso tout pour assurer la continuité de l'état. Ezate likambo ya accord songolo, ezate likambo ya ba réunion pakala ke bato bako mona yango eleki motuya ya mibeko ya mboko to bengi constitution. Yango na papa Mokonzi ye moko de maître des mains de maître dirige ses consultations personnellement depuis 10h to uti koko mabongo to za 20h. Président Yemoko Zoyamba, Yemoko Azako Yoka, ba collaborateur pe baza pembeni kasi Yemoko Azako pe sabongo nzela ndingisa orientation. Yangwano moni mokolo ya lelo ezo salema na ndingisa oya pesela ki depuis le 23 octobre lelo oyo abandi masolo pona bana mboka ba ebaki papa Mokonzi aza bongo moto oyo akosala kaka rapport na bango peuple congolais aza comptable devant aucune autre institution parce que lui-même est institution de la République. Il a été institué par le souverain primaire, raison pour laquelle il consulte pour leur rendre compte à travers les décisions qu'il aura prises à travers ces consultations. Alors cette consultation, comment on a un gros négéné, il y a président, oh ya sali plutôt avait ya que Makambo et Tambola qui m'a bé, y est mon quoi lobby qui a kobongi sa Makambo, tout à Ezali consultation Ezali kola qui sa fin ya système mon quoi ya oh ya coalition et bah Ezali qui lobby et kobangi sa avenima ya mon pépé Asika, comment ces consultations t'auront été traitées en gros? Ngaina kolobandingisa boye président de la République a bengani motote a kangi pe kuke na ye na motote contre mutu mon côté papa Mokonzi sali kaka oto bengaka na lingala ko fongola masolo consultation oyo il faut batuba comprendre yango a kangeli moto ekukete moto mon côté a ko koloba ke soki a toke porte baboya ki ko fongolela ye Asalikara Obalobaka en tant que garant de la nation, le chef de l'État, commandant suprême, magistrat suprême, a lobikaka na fongoli masolo. Poto lobaka lingala elengi. Naibi ke ngamoro nazo maîtriser lingala ko leka batunyon so tout mais kasi ndenge naza ko pesela bana kin bana Congo mobimba na ba ebazana mikili ya poto ba ko comprendre que moto oyo aza ko lobela makambo ya solo solo papa Mokonzi na ba consultation oyo se tenu to tcha yango
na lo na ndenge na biso ya lingala na biso ndenge tolobaka papa mokonzi afongoli masolo pe masolo ngo afongoli afongoleli yango kaka te kaka bayike politique afongoleli yango bayike oyo balobelelaka peuple po ete azonga epa ya peuple wana ayebisa bango décision na ngai pona kotambusa mboka malamu yango yo na sima ya kosolola na bayike oyo tozalaka na bango elongo balobelelaka bino yango wana lelo abandi na société civile ti tokokoba akoyamba ba personnalité politique ainsi de suite et il prendra ses décisions pour le communiquer au commun de mortels, le souverain primaire, les détenteurs de la souveraineté de l'État congolais, le peuple. Alors Lelo, est-ce que na ba réseaux sociaux nabiki autant la rappeler quand même à camion sur les na ba réseaux sociaux tomoni moko ya corps et aussi et au circuler wana et lo belo lo comment quoi te papa oyebi hein lokutaka ka ndenge ba musicien ba emba yango eyaka mbango na ascenseur hein kasi vérité eyaka bongo na escalier ngai na ndenge na yebeli makambo natikala jamais à moins moto mosusu pene pene ya papa mokonzi ayebi masolo wana menga na ndenge na yebeli papa mokonzi avant koma mokonzi na ndenga komi mokonzi natikala jamais koyoka lisolo ke accord moko existaka. Alors, ce qui yo, osana accord wana, tozana problème tin bimisa yango to mona yango. Papa, ozomona très bien que wana ezabiloko ya internet, papa. Ezabiloko boutique monté de toutes pièces. Tozana posa oyo aganga ki alobaki ke accord ezali. Problème ezate. Ye la biso accord wana, totala o ezana kati ya accord wana, totala pe ce qui accord eza au-dessus ya mibeko ya mboka parce que dans le droit, selon la constitution, dans toute nation, toute loi, toute forme de conciliambule, ce qui est salemi et qui a respecté la norme supérieure, te otobengi mobekoli kondi constitution, yeba yango ke akorwana, eza déjà par sa nature juridique caduque, par sa nature administrative nulle. Donc, le président part. Sa communication physique, oyo avandi na kiti, azo yamba batu, eza message aza ko transmettre na batu, moi, c'est l'intérêt de la nation qui prime. Si ceux qui sont en face veulent également l'intérêt de cette nation, ils viendront qu'on puisse parler et je prends les décisions qui s'imposent. Alors, tu commis à Souka, moi, je suis Félix Abala, tu es très occupé de l'autre côté, et également à Makambu Moussous avec le président de la République, bien sûr, Zali, collaborateur à la présidente de la République. Léo Basso, tu es un Congolais, est-ce que cette coalition, ces consultations plutôt, ont apporté lueur d'espoir ou soit changement na aux populations à s'attendre. Na habite population à s'attendre na nini. Mais na habite quand même population à s'attendre na changement. Mais au moni changement eza likambo oyo peuple oyo eponela ki papa mokonzi actuel chef de l'état actuel akoma président de la république. Le changement n'arrive pas au changement ekomaka na mboka te kaka lokola boyo lokola magicien au sali boyo to pelisi mwinda mwinde peli changement eye. Le changement arrive lorsque l'on met en place des réformes. Et la réforme wana ezoaka tempo ezoaba effet mais misusu pe mona na kanambala moko loko la gratuité de l'enseignement ba effet monani ezana makambo ebele oyo lelo oyo la liberté d'expression oyo batu bamandai ko lenga na mboka oyo lelo oyo ato critiquer papa mokonzi ozana droit ko critiquer c'est la démocratie ko finga te mais ko critiquer ba ko tungisa yote ba ko kanga yote ba tu baza ko expérimenter yango la liberté d'expression dans ce pays. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles le président de la République a mis de réforme des hommes et femmes capables de pouvoir mener à bon port sa vision afin que les réformes puissent être perçues, être perceptibles comme le vrai changement pour lequel ils ont choisi celui qui est l'actuel chef de l'État. Merci mon Mboka. Félix Kabala, je rappelle que Ozali collaborateur direct à président de la République. Ozali peut également Ozali nommé récemment en tant que chargé Yamakambonio sur l'Italie. NASA collaborateur simple direct et à chef de l'État.
Merci. Alors, moi, la Mboka Félix Kabala, Tokoum Nasouk Edition, la Bissot, merci à bah, Congolais Bolandi Bissot, Tozali, déjà, Tokoum, déjà 20h20 ah, ouais, en direct à Kinshasa. Bah, consultation avec Okoba, président de la République, continue à recevoir les lots Ali Kabata, société civile, comme vous l'avez dit. Les lots en général, les abattoirs, société civile. La société civile est large, constituée de beaucoup de groupements. Donc, Yangwano Moni, depuis 10h, Toza 20h, Tozo Koba, Kokoba, Toyebite, bon, pour papa, Zalara, moi, zana makasi anzo toi. Pour yé, nenga zawana, moni conseil des ministres, erebanda kanaba, 10h, 11h, wana, akendara nangoti X temps. Donc, pour na biso o, toyebi, makasi yo, zalara nango, pour na mboka, on n'est pas surpris qu'il a commencé à 10h et qu'il est 20h et qu'on va au-delà. Mais, papa, tant qu'à Silici, liste, y a ba consultation, y a bato o, nenga lo baki na discours, na yé, les personnalités de politique et de la société civile le plus représentative à Kolembate Tina Souka, parce qu'il doit faire rapport à ses patrons. Et qui sont ses patrons? Qui sont le patron du chef de l'État? C'est le peuple congolais. Article 5 de la Constitution. Il n'est que comptable devant eux. Merci. Tokoum Nasouka édition na biso. Au revoir bandeko to kokoba bongo tozali awa ti et aussi lande jusqu'au 8 ans de ti ezali to kozala awa bolanda toujours bo s'abonner na info 243. Merci. Au revoir. Je pense que tout le monde a suivi le discours du chef de l'État qu'il convoquait la consultation et cette consultation qui a été donc l'objet de notre visite ici chez les deux, donc l'audience d'aujourd'hui. Tout ce qui était passé à l'interne, je pense que le secrétaire général peut vous donner un résumé. La question, je crois que n'est pas question de savoir pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour répondre à l'appel du chef de l'État en rapport avec son message à la nation. Et la communauté islamique a essayé d'apporter sa contribution, sa réflexion au message du chef de l'État en conseillant, en donnant ce point de vue par rapport à ce que le chef de l'État avait en ce qui concerne la gouvernance de ce pays. En ce qui nous concerne, nous avons estimé que ce pays a besoin de la stabilité, il a besoin de la paix, et qu'il faut consolider la paix, mais il faut également améliorer la gouvernance de ce pays. Et pour cela, je crois que les questions qu'on reste câblées sur les textes légaux, la Constitution et tous les autres textes, je crois que nous n'aurons pas de problème. Que l'alternance réalisée dans ce pays ne doit pas être, ne peut pas durer simplement un matin. Ça doit se poursuivre pour que nous puissions continuer avec les alternances dans ce pays-là. Voilà les conseils que nous avons prodigués au chef de l'État. Nous pensons que tout le monde doit respecter la Constitution de la République. Tout le monde doit respecter également les institutions de la République. Et voilà, si nous le faisons de cette manière, le pays va sortir, que le chef de l'État tient bien la balance pour que le pays ne puisse pas basculer. La stabilité, rien que la stabilité. Ok, merci beaucoup, mais avant de dire ce que nous avons dit au chef de l'État, j'aimerais bien dire d'abord ce que le chef de l'État nous a dit, nous. Vous savez, nous sommes l'une des confessions qui est entrée en deux composantes. Bon, en tout cas, cela a fait d'abord la préoccupation du chef de l'État. Une communauté telle que la nôtre, qui compte plus de 10 millions de fidèles, que nous soyons, disons, en désunion, séparés comme ça, en tout cas, ça n'a pas plu au chef de l'État. Il a commencé tout d'abord par nous donner des sages conseils et nous promettre qu'il va nous rencontrer pour essayer de nous mettre ensemble. En tout cas, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu, en tant que chef de l'État, qu'il puisse se soucier de notre communauté. À part l'intervention du chef de l'État, nous, à notre tour, nous lui avons essayé de lui citer la sagesse du Saint-Coran, ce que le bon Dieu nous a dit dans le Saint-Coran. Par exemple, la consultation, c'est quelque chose qui est coranique. Alors nous lui avons demandé de ne pas se fatiguer, de ne pas cesser de dialogue. Chaque fois qu'il y a des problèmes, qu'il passe toujours par cette façon-là. C'est comme ça que nous aurons en tout cas à améliorer la situation du pays et c'est comme ça qu'il aura
toutes les réalités que la population est en train d'endurer. Merci. Merci. Merci à l'invitation du président de la République dans le cadre de la consultation qui est engagée. Et c'est en tant que membre de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce que nous avons dit au président de la République? Il nous a donné la vision. C'est à quoi il s'attendait de ces consultations. Et nous lui avons présenté, premièrement, la nécessité de la stabilité du pays et la paix. Au-delà de cela, en tant que commission électorale indépendante, nous lui avons aussi, nous avons présenté à son autorité la nécessité de la tenue des prochaines élections générales en 2023 et que nous avons désormais un projet de chronogramme qui nous amène à ces élections. Bien entendu, il y a d'autres questions qui touchent le processus électoral en général, dont nous disons notamment les préparatifs et surtout l'assainissement de l'environnement avant tout préparatif de ces processus électoraux. Monsieur le Président, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que la CENI est prête à organiser des élections anticipées avec, et combien ça coûterait? La mission de la CENI est déclinée à l'article 220 de la Constitution, 211 de la Constitution, c'est-à-dire conduire tout processus électoral et référendaire. En cas d'absence d'une institution, bien d'une institution élective, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nanga est-il encore légitime pour organiser des élections? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du schéma critique préparatoire en disant qu'il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire les études et décliner les chiffres, par exemple, en disant ça va être trop tard. Je vous remercie.